pourrais dire, Verlaine, c'est homme libre, toujours tu chériras la mer, par exemple, mais c'est le respect. C'est, la mer, pour moi, c'est le respect des gens qui naviguent dessus. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on va tous s'aider. Donc ça, c'est pour moi très important. Et c'est le respect aussi environnemental. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Nous, on navigue dessus, on a la chance de naviguer sur une mer, heureusement, qui est loin des côtes et du coup, qui est quand même très préservée. Rencontrer plein d'espèces marines. Et malheureusement, au bord des côtes, on voit que c'est vraiment devenu catastrophique. Et on est témoin du changement, de la pollution, etc. Donc je pense que le respect de la mer et de la terre aussi, au final, parce que tout est lié. Mais c'est ce respect-là, moi, qui me... Je dirais qu'il caractérise de plus la mer, faut respecter tout ça.